Bonjour, mon nom est Jocelyn Proux, agent de développement culturel de la MRC de Drummond. Je suis en poste ici depuis à peu près une vingtaine d'années, donc on a fait plusieurs projets culturels. La MRC de Drummond, c'est un territoire de un petit peu plus de 100 000 habitants avec 18 municipalités, dont la ville-centre Drummondville. En matière de culture, la MRC a développé différents projets là, au fil du temps. Qu'on parle d'un circuit d'ateliers galeries d'art, d'une politique d'acquisition d'œuvres d'art. On en retrouve d'ailleurs une juste à côté de moi ici, une œuvre de Rita Latendre. Que ce soit un fonds culturel qui permet d'appuyer les artistes et les organismes culturels dans leurs projets culturels. On a réalisé un bon nombre de projets, certains plus récurrents. On parle par exemple de notre répertoire d'artisans qu'on publie depuis déjà la cinquième édition, qu'on publie aux 2 ans. On a aussi un signet des auteurs locaux. En fait, la plupart de nos projets culturels ici, ça vise à faire connaître nos intervenants, que ce soit nos artistes, nos organismes, nos écrivains, nos artisans. L'objectif est toujours de développer des projets qui permettent de les mettre à l'avant-scène, les faire connaître et encourager les citoyens de la MRC à aller acquérir leurs œuvres, leurs services ou leurs projets. À la MRC de Drummond, les arts et la culture ont pris leur importance il y a environ presque 20 ans maintenant avec l'adoption d'une politique culturelle qui permet un peu de guider les actions qui en découlent. On consulte notre milieu culturel à chaque fois qu'on élabore nos plans d'action triennal en culture. Chaque plan triennal, on a environ 25 différentes actions qui se déploient chaque année. Certaines plus récurrentes, d'autres de nouvelles qui s'ajoutent. Donc, bonhomme à l'an, notre budget culturel tourne autour d'environ 200 000 $ par année. Comme vous le savez, en agriculture, on fait beaucoup de choses avec pas beaucoup de sous. Donc, ça nous permet quand même là, d'avoir un bon appui à notre milieu et permettre à nos citoyens d'avoir accès à toutes les belles choses qui se passent sur notre territoire. Pour vous donner quelques exemples, je vais vous parler des 3 derniers projets là, qui ont connu leur finalité cet automne. Vers la fin du mois de novembre, on a produit notre signet des auteurs locaux. Il y a environ 45 livres différents qui sont présentés par une trentaine d'auteurs qui sont tous originaires ou qui habitent la MRC de Drummond. L'objectif à travers ce projet-là et la plupart de nos projets, c'est bien sûr de faire connaître les œuvres de nos créateurs et d'inviter la population, bien sûr, à favoriser l'achat local aux passionnés d'art et de culture, donc de leur faire connaître dans un premier temps et qu'ils puissent éventuellement prendre contact avec ces œuvres-là. Un autre beau projet aussi qu'on a annoncé récemment, c'est notre album de musique. On a fait un beau projet avec le cégep de Drummondville qui a une concentration en musique, où on a produit un album de 12 chansons, tous d'auteurs, compositeurs, interprètes, originaires ou habitants à la MRC de Drummond. Toutes des tunes inédites, donc spécialement pour le projet, nos artistes nous ont préparé des chansons. L'album s'intitule « D'où je viens » et toujours dans le même objectif, en fait, de faire connaître notre milieu, nos artistes et d'inviter les gens à se procurer les créations des gens de chez nous. Pour ceux qui sont intéressés à se procurer ce nouvel album « D'où je viens », en fait, il est disponible sur toutes les plateformes de musique en ligne ainsi qu'au magasin L'Obsédé du disque situé à Notre-Dame-du-Bon-Conseil qui offre également la livraison du CD. Donc, il y a possibilité d'avoir l'album en numérique ou encore en physique, en chair et en os. Notre dernier projet qu'on a lancé récemment, c'est notre répertoire d'artisans. C'est un projet qu'on fait depuis environ une dizaine d'années. En fait, l'objectif principal de ce projet-là, c'est de mettre en valeur nos créateurs du secteur des métiers d'art.
Donc, tous les artistes, artisans qui transforment de la matière, que ce soit le verre, la porcelaine, la céramique, le bois, le métal, peu importe le matériau, ces gens-là possèdent des savoir-faire et créent des œuvres originales de grande qualité. Et l'objectif du projet, c'est de monter un répertoire qui unit tous ces gens-là dans un seul et unique document. Le document, il est imprimé à 5 000 exemplaires, puis il est distribué à divers endroits de Drummondville, au bureau touristique. Il est aussi disponible en ligne. L'objectif de ce projet-là, comme tous nos beaux projets, en fait, c'est de faire connaître ces gens-là. Nos créateurs travaillent dans leur atelier. On ne les voit pas souvent. Les possibilités d'exposition, surtout cette année, n'ont pas été très faciles. Donc, tous les 2 ans, on refait une nouvelle édition. On en est à notre 5e. On en est bien fiers. On est fiers de nos artisans. Et avec des projets comme ça, on veut les connaître, les faire connaître à nos citoyens et favoriser, bien sûr, l'achat local qui était tellement important en ces périodes un peu particulières. Je pourrais vous parler longtemps de chacun des artisans qui sont là-dedans, mais je pense que la meilleure façon de les découvrir, c'est la vidéo. Alors, suivez-moi, la visite commence. Je suis Estelle Saint-Pierre, je suis artiste en arts visuels. Et bonjour, mon nom c'est Caroline Auger, je suis propriétaire de la compagnie CATBA. Je suis Christian Parenteau, artiste mosaïste. Bonjour, je me présente, je m'appelle Evelyne Lausier et je suis une artiste multidisciplinaire et ce depuis près de 25 ans. Bonjour, vous êtes dans l'atelier de Suzanne Ricard. Je suis artisan verrier depuis plus de 35 ans. Alors, bienvenue dans mon univers, c'est Louis Savoie, artiste verrier. Vous êtes ici en ce moment dans mon atelier de céramique. Je transforme la matière qui est l'argile. Je transforme l'argile en bol utilitaire ou en stella qui sont des genres d'irrigation pour les jardins ou des pièces décoratives. Ici, on va développer mon côté artiste et mon côté entrepreneuriat. Je suis à l'incubateur industriel. On va faire la mise en marché de mes poteries. Ma passion pour l'argile remonte depuis les années 75-78 avec un cours au culturel à Drummondville. Puis j'ai toujours développé, toujours continué à suivre des cours, toujours donné des cours en alternance avec mon travail de dessinatrice industrielle. En ce moment, je prends un peu d'expansion. Je suis contente d'être encore située à Drummondville dans ce magnifique atelier pour être capable de développer mes produits, des produits qui vont se retrouver dans certaines boutiques à Drummondville, puis je vais continuer aussi à faire des salons des métiers d'art et des expositions événementielles de même. J'ai une belle salle de montre. Il y a toujours moyen d'acheter les produits directement sur place ou bientôt sur un site de vente en ligne Shopify. Ça va me faire plaisir de vous répondre pour vos besoins en poterie et en céramique. Ça me fait grand plaisir de faire partie de la 5e édition du Livret des artisans. Vous allez voir tout au long de ces 5 années-là l'évolution de mon travail. Bienvenue dans mon univers, Sylvie Savoie, artiste verrier. Depuis 15 ans, j'essaie de transformer la matière du verre qui m'obsède depuis ses tout débuts. D'abord, je veux féliciter Jocelyn Proulx et son équipe de la MRC Drummond. Ils travaillent très fort pour les artistes de la région. Et le feuillet, l'art de transformer la matière, est très apprécié de nous tous. Ça nous fait connaître en région, ça nous fait... les gens viennent nous visiter par rapport à ce livret-là et ils nous font découvrir nos œuvres qu'on
auquel on met énormément de passion et d'énergie. Je transforme cette matière-là, le verre, depuis 15 ans. Je suis artiste verrier. J'ai d'abord suivi ma première formation avec Suzanne Ricard, qui fait partie du feuillet. C'est elle qui m'a initiée à la technique au ruban de cuivre. J'en ai suivi plusieurs autres par la suite. Je maîtrise la technique de la baguette traditionnelle. C'est celle qu'on retrouve dans les églises et cathédrales. Et je travaille aussi énormément la fusion de verre. Je tends vers la fusion de verre puisque cette matière, même si elle est plus dispendieuse que le vitrail, fait en sorte qu'il n'y a aucune perte. C'est très important pour nous parce que cette matière-là, qui est noble, elle est quand même dispendieuse. Des produits, des œuvres que je fais, je peux faire des grandes verrières. La dernière en date, c'est une verrière de 21 pieds de large par 5 pieds de haut. C'est des projets immenses que moi et mon conjoint Luc Leclerc adorent travailler. Je travaille vraiment du plus grand au plus petit, du réverbère au simple bijou que je porte d'ailleurs. Alors, ça me permet plusieurs alternatives et plusieurs façons de procéder pour ce qui est des œuvres. Parce que maintenant, avec la grisaille, ce qui est une nouvelle technique que j'ai ajoutée à mes disciplines, je peux pousser davantage toute la figuration de l'œuvre en tant que telle. Entre autres produits, j'ai aussi les vide-poches, les plateaux rotatifs qui sont très populaires car ils font effet de centre de table. C'est une œuvre utilitaire que j'aime bien décrire. Je fais aussi de la récupération, un temps soit peu, avec des plateaux récupérés de bouteilles de vin. Vous avez sûrement dû en voir circuler. Elles sont très appréciées. Je travaille aussi le vitrail avec la grisaille sur verre. On en voit quelques-unes ici. Donc, ça fait un spectre assez large, mais le fil conducteur, ça reste le verre. C'est vraiment ma matière. C'est vraiment là où je suis sur mon X. Oui, je donne la formation, effectivement, sur le site nature2arts.com dans le volet formation. Formation de Sylvie, vous allez retrouver les quatre formations que j'offre au grand public. C'est des formations intensives, par contre, qui se donnent sur 2 jours pour m'éviter justement de tout rafistoler l'atelier en conséquence. Mais n'empêche que c'est des formations qui se veulent complètes de A à Z. La personne qui décide de suivre une formation, que ce soit avec la technique du ruban de cuivre, que ce soit avec la technique de la baguette, fusion de verre et même la grisaille que je viens de rajouter, la personne ressort d'ici avec une œuvre de son cru, faite de ses propres mains, mais en suivant les étapes qui se veulent adéquates. Alors, je vous encourage sérieusement à vous procurer ce fameux livret qui parle des artisans d'ici. On en a tous besoin, surtout en ces périodes un peu nébuleuses. Encouragez nos artisans locaux. Ils travaillent très fort pour vous offrir de beaux produits faits de façon professionnelle. J'œuvre dans le textile, donc je transforme le textile en œuvre d'art. Moi, j'ai étudié en art visuel au secondaire, ici à Jeune-Mance, en programme intensif. Ensuite de ça, je suis allée au collégial en design de présentation, donc présentation visuelle des vitrines de magasins principalement. Puis j'ai finalement revenu à Drummondville pour étudier en art au cégep de Drummondville parce que l'art me manquait. Je voulais vraiment, j'aime toucher la matière, transformer des objets. Donc, pendant ma technique en art visuel, j'ai découvert que j'aimais beaucoup le textile. J'ai déjà fait un peu de couture
C'est un background dans ma famille, la couture. J'ai toujours voulu devenir designer de mode quand j'étais très jeune. Donc, pendant mon programme d'art visuel, j'ai commencé à faire de la broderie pour mettre dans des œuvres d'art. Donc, pour inclure dans des projets de sculpture, inclure dans des projets aussi de toile. Puis, pendant mon parcours, j'ai eu une proposition de participer à une exposition d'artisans à Drummondville, c'est-à-dire Central Pop. Donc, j'ai parti mon premier produit, qui était un ateba sur clip que je porte ici. Petit ateba, c'est... j'ai un petit côté bohème. J'ai eu ça en voyage. D'habitude, c'est directement dans les cheveux, puis ça brise le cheveu. Donc, en le mettant sur une clip, ça devient vraiment un accessoire que vous pouvez enlever et remettre à votre guise. Puis l'ateba, il reste super beau très longtemps. Puis aussi, ça nous permet de le mettre seulement quand il va fitter avec l'outfit, parce que les vêtements, c'est très important, et les accessoires aussi pour moi. Ensuite de ça, j'ai découvert la broderie. Fait que je me suis mis à faire de la broderie sur les bijoux. Fait que c'est exactement les mêmes matériaux. Pour les atébas, dans le fond, ça va être de la corde de coton. Donc, c'est la même chose pour les bijoux. J'ai fait ça avec de la corde de coton. Fait que j'ai appris par moi-même avec des vidéos tutoriels sur Internet. Et après les bijoux est venu les vêtements. Moi, je magasine en friperie depuis que je suis très, très jeune. Puis c'est vraiment quelque chose que j'aime parce que ça nous permet de trouver des vêtements qui sont uniques, que personne d'autre qu'il y a. Puis c'est fou à quel point, côté environnemental, on dépense beaucoup trop dans les vêtements. Puis il y a tellement des vêtements qui sont magnifiques en friperie. Donc, je suis allée chercher des vêtements en friperie que je trouvais beaux pour les réactualiser en leur ajoutant une broderie. Fait que c'est un peu ça le cheminement de ma pratique. Fait que maintenant, c'est ça. Les produits que j'offre, les atébas, les vêtements brodés, qui est des vêtements recyclés dans le fond, et les bijoux brodés. Pour tous ceux et celles qui veulent savoir ce qui se passe en matière d'art et de culture dans notre belle MRC, je vous invite à visiter le site cultureacœur.ca, qui est notre bulletin culturel électronique. Dans ce bulletin-là, vous allez retrouver toutes les informations qui concernent nos artistes, par exemple la sortie d'un nouvel album, un écrivain qui produit un livre, un artiste qui a gagné, par exemple, un prix ou qui a été reconnu ici ou ailleurs. On a aussi une section qui s'appelle l'agenda, qui permet de savoir là, en continu ce qui se passe au niveau des arts et spectacles sur notre territoire. Donc, bonne visite. Passion, entre autres, c'est la mosaïque. Je m'amuse à transformer la céramique, la porcelaine, les pâtes de verre et des métaux en œuvres. Je suis souvent inspiré par les textures et les couleurs de ces matériaux. Ça fait déjà 19 ans que j'ai découvert la mosaïque par un coup de cœur qui a été des panneaux démonstrateurs discontinués que je m'étais fait donner. À partir de là, j'ai créé une première œuvre qui a servi d'un mur protecteur contre le feu à l'arrière d'un poêle à bois. Puis, on a suivi un enchaînement d'œuvres. Je n'ai pu m'empêcher de continuer à créer avec ces matériaux. Ce que j'aime de faire partie du livret des artisans, c'est que ça donne la chance aux gens de pouvoir me repérer ainsi et entrer en contact avec moi et d'autres artistes qui ont été quand même devant, on pourrait dire, un comité de sélection. Puis je trouve que le livret, il ajoute beaucoup de crédibilité quand une personne entre en contact avec vous. Il sait qu'il fait affaire avec quelqu'un qui est connu par la MRC, puis que
Ses œuvres sont aussi reconnues par ses pairs. L'art de transformer la matière est un sujet qui me passionne. Je suis une touche à tout. J'adore de toucher la matière, récupérer la matière, que ce soit des résidus de construction, que ce soit des babioles, et des amener en œuvre d'art multifonctionnelle, unique et originale. Entre autres, les matières que j'aime exploiter, c'est le bois, l'acier, le tissu. On va venir me porter des choses que je vais vouloir transformer. Les tissus, c'est souvent qu'ils vont tourner en des sous-verts, des signets, des coussins. On peut vraiment jouer à l'infini. On arrive avec le bois, ben on peut faire des petites maisons, des horloges, des résidus d'encastrés, de plafonds qui fait des super de belles boules décoratives. Aussi, des horloges avec la matière, l'acier, puis ces choses-là, qui permet encore une fois qu'on va l'utiliser et on va la regarder et on ne pourra pas se lasser car c'est une œuvre éco-responsable puis vraiment de toute beauté quand elle a passé au ping-pong avec mes doigts de fée. Je suis très heureuse de participer au livret de la MRC et ça depuis plusieurs années. Pourquoi? Parce que je trouve que ça nous amène encore une visibilité davantage, en plus de nous amener aussi dans les sites, dans les réseaux de professionnels. Donc, on est très chanceux d'avoir la MRC qui travaille et qui encourage les artistes d'ici afin de leur donner une visibilité plus accrue à travers de ce projet, le livret la MRC. Si je pourrais vous donner un conseil, ce serait d'encourager nos artistes locaux, une brochette d'artistes incroyables et garder le marché local. Vous pouvez par le biais du livret découvrir des artistes talentueux de différentes disciplines et me découvrir entre autres chez Axar que je suis en montre assez régulièrement. Je travaille le verre, c'est ma passion. J'ai commencé par faire du vitrail Tiffany, tous des petits morceaux rassemblés. Et tranquillement, j'ai étudié plusieurs autres techniques que j'ai intégrées à mes vitraux. Ce qui fait que maintenant, je fais toutes sortes de choses, toutes mêlées. Je travaille sur commande, je travaille sur mesure et j'ai fait beaucoup de choses différentes au fil des ans. J'en suis venue à faire du vitrail parce que avant, j'ai quand même 5 enfants, alors je faisais beaucoup de couture et je me suis mis à faire des courtes pointes, qui est une autre forme d'assemblage de morceaux. Puis, quand j'ai vu un premier vitrail chez mon beau-frère avait fait un motif de courtes pointes en vitrail. Et j'ai dit, ah, ben c'est joli ça, alors j'aimerais ça en faire. Et j'ai suivi mon premier cours, comme ça, en pensant jamais que je deviendrais une professionnelle. Mais ça s'est fait tranquillement au fil des ans. Vous savez que les artisans travaillent seuls, travaillent dans leur atelier, ils font leurs petites affaires tranquilles dans leur coin. Alors, c'est toujours plaisant, c'est toujours... on a toujours des choses à dire aux autres. Quand on se rencontre entre nous, c'est toujours très, très agréable parce qu'on a les mêmes problèmes, on a les mêmes... on peut avoir des solutions que les autres vont utiliser. Un des problèmes des artisans en métier d'art, c'est la visibilité. C'est-à-dire qu'il faut montrer ce qu'on fait. Il faut faire des événements ensemble. Et une des façons dont on va chercher de la visibilité, c'est toujours en se mettant en groupe. Et je pense que le répertoire des métiers d'art de la MRC de Drummond, c'est un bon outil pour ça. En ce sens que ça nous permet ensemble de faire quelque chose qui serait impossible seul. Individuellement. Ça fait depuis le début que je participe. J'ai toujours été dans le livret. Les gens me connaissent mieux à cause de ça. Ils viennent parfois visiter mon atelier. Ils viennent voir ce que je fais, puis ils viennent surtout voir ce qui pourrait leur plaire à eux, ce qu'ils pourraient commander. Et c'est comme un partage d'outils qui est très utile
au niveau de la MRC. Une autre façon aussi, vu qu'on est dans le livret puis qu'on est visible, c'est bien d'encourager les artisans du coin, c'est bien d'acheter local, c'est bien d'encourager ces gens-là qui, s'ils n'ont pas de travail, en fait, ils vont arrêter et c'est des techniques qui ont tendance à disparaître aussi. Alors, les gens l'apprécient beaucoup puis prennent la peine de le faire, de voir quelqu'un, d'échanger avec l'artiste. C'est un bon contact, c'est toujours valorisant, c'est toujours bien plaisant de rencontrer les gens puis de les avoir aussi à l'atelier. En espérant que cette visite vous a plu, que vous avez découvert nos artisans et leurs belles créations, je vous invite maintenant à acheter local. Et pour les artisans qui souhaiteraient se joindre à nos éditions, on se donne rendez-vous dans 2 ans lors de notre appel pour refaire notre nouvelle édition qui en sera à sa 6e. Procurez-vous-le sans faute. C'est une petite mine d'or que vous aurez ici. Je vous invite à vous procurer le livret des artisans. Vous allez avoir toutes mes coordonnées. Vous allez pouvoir découvrir tous mes produits. Je vous invite à vous procurer le livret des artisans d'ici 2020 pour en apprendre davantage sur ma pratique. Je vous invite à vous procurer le livret. Ça va vous faciliter les choses pour pouvoir entrer en contact avec moi ou avec d'autres artistes qui sont dans ce document. Il est possible de le trouver en ligne ou sous forme physique ici, un peu partout dans la MRC. Je vous invite à vous procurer le livret, soit par le biais de la mise en ligne sur le site de la MRC Art et Culture ou la version papier qui vous permet de nous découvrir, de me découvrir, peut-être voir davantage les produits et les œuvres que je fais. Et en même temps, je vous invite à aller voir mon site, relard.ca, ou encore me suivre sur ma page Facebook qui est toujours alimentée et qui vous donne probablement de la piqûre et un plaisir de peut-être vous rencontrer. Comme ça me fait plaisir, encore une fois, de faire partie du 5e édition, si jamais vous voulez rencontrer quelqu'un, procurez-vous le livret. La MRC le met à la disposition de tous, au bureau ou ailleurs dans différents points de la MRC. Et ça va vous permettre de magasiner puis de voir des choses qui sont inusitées puis qui sont uniques aussi. Alors, profitez-en pour faire le tour de la MRC, aller voir les artisans chez eux.